Ça servit mon plat cali dans une assiette blanche. Là ici d'accord, mais pourquoi tous les plots sont noirs? J'apprécie ta sauce avec ton djunglé. Pour toi, j'ai laissé Nadej, mais pourquoi les plots sont noirs? Bonsoir à tous, j'ose espérer que vous allez bien. Bienvenue sur la 3 pour une nouvelle épopée de 3 minutes dans PPLK Offside, votre capsule quotidienne au cours de laquelle nous vous partageons les impressions des invités de l'émission Pipolémique après leur passage. Entre parodie musicale et humour, aujourd'hui, HTT 225 était à l'épreuve du mythique plateau de Pipolémique. Mais pourquoi nous sommes là? Vous le savez sans doute, car ce n'est plus un secret pour personne. En effet, tout ce qui n'a pas été dit et entendu sur le plateau de Pipolémique, c'est par ici, dans PPLK Offside. HTT 225, bonsoir. Bonsoir. Oui. Ça va bien? Oui, très bien. Alors, on va parler de cette émission, le débrief. Hein. Comment tu as trouvé l'émission déjà? Ouais, c'était chaud. C'était chaud, c'est-à-dire? C'était intéressant, quoi. Voilà, faut penser match. Et quelle est la partie qui t'a le plus marqué au cours de cette émission? Non, c'est vrai, vu que non. Ouais. Les moments, même si c'est même là, ils m'ont laissé le bouson et le baouin. Ouais. Voilà, tu vois, non, on n'a pas eu honte quoi. Ils savent que c'est le bouson. Voilà, ils m'ont accompagné, ils ont chanté moi, ils ont aimé. Voilà. D'accord. Rappelle-nous ton nom à l'état civil. Omépieux David Emmanuel. Dans tes vidéos, tu as des choristes, tantôt des enfants, des jeunes. Sur quelle base, sur quels critères tu les choisis pour tes différentes vidéos? Pour moi, je ne les choisis pas, hein. Ah bon? Non, qu'est-ce qu'ils pensent qu'on est jeunes là? Ouais. Ah, Marlboro, c'est comment? Eh, moi, si je fais un acapella, donne un acapella, mm-hmm. Ils vont répondre à part, c'est tout. D'accord. Mais les pétes là, non, moi, ils bavent ensemble, donc c'est la famille. Ouais. Voilà, donc. Tu leur donnes un peu d'argent souvent? Bon, non, moi, de balance, c'est Bawain. Quand finit la vidéo, c'est Bawain 3 000. Ah ouais. Bawain combien? 3 000. 3 000 pour tout le monde? Ouais, pour tout le monde, il n'y a plus en moins. D'accord. HTT 225. Ouais. Tu as une copine? Ouais. On peut avoir son nom? Non, quand même, ouais. Non. On n'avait pas dit son nom là-bas. D'accord. Alors, HTT 225, vous avez une parodie musicale sur l'hymne national de la Côte d'Ivoire, l'abidjanaise. Allez-y. Salut au père d'Aïchikane, artiste du coupé décalé. Une légende remplie de voyance, malheureusement nous a quittés. Mes frères chinois, tous mes frères ivoiriens, on doit tous se rassembler ce 30... Bon, c'est quasi un ancien moment, donc voilà. Voilà. Bon, c'est juste pour rendre un hommage à DJ Arafat. Merci beaucoup, mais avant on va saluer tous tes mogos de Sikoji. Regarde la caméra, ils sont en train de te regarder, vas-y. C'est comment la Sikoji, vous connaissez non? C'est le yoro de Sikoji, trois fois Bawain dans son corps, voilà, deux fois Boson d'or. Voilà, quand c'est le yoro de la Sikoji, il faut comprendre. Puis c'est les. Il y a genre les Bogodog qui disent ça, voilà, Baba du Domara, rock, c'est mon rock, c'est mon tchèque. Il y a ton fromage de Botalaka, l'obalaka, voilà, Baba du Domara, c'est que bizarre, t'as qui maman a collé, mais si mon talaki, de quoi le mec, si mon talaki, il a qui, et mon talaki, de Botalaka, mon avala, Baba du Topatalon, et bizarre, défend mon ami, Adara, Ijesi Mijeka. Voilà, dédicace à toi, Harry Manaja, t'as dit qu'on est ensemble depuis la semaine. Merci beaucoup, HTT 225. Hein. Ouais. Sikoji de Yopougon, faut préciser. Ouais, Sikoji de Yopougon. Très important. Ah, Sikoji, le tout. Voilà, le tout. Merci à vous également pour votre fidélité à ce programme. Notre prochain rendez-vous, c'est demain, toujours sur la 3. Vous le savez, nous offrons 3 fois plus. Bye bye.